Bonjour et bienvenue sur cette capsule des vitamines du royaume qui va durer entre 2 et 5 minutes. Nous sommes à la fin de l'année et la méditation me pousse à faire cette petite VO pour nous donner un conseil. Et le conseil, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 33. Et on comprendra aussi le contexte tout à l'heure de ce que Jésus a voulu dire. Donc c'est Jésus qui dit dans Matthieu 5, verset 33, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. 34, mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, et ce qu'on y ajoute vient du malin. Alléluia. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que dans son temps, on avait l'habitude de faire des serments. Les serments étaient quelque chose de très dangereux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un serment, c'est prendre Dieu à témoin. C'est comme si on fait un serment aujourd'hui, on prend Dieu à témoin. Et ça nous engage. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on faisait? Des fois, pour éviter le parjure, on mettait la main sous la cuisse de celui qui faisait le serment en invoquant sa postérité. Ça veut dire que sa postérité était maudite s'il ne respectait pas sa part du serment. Dans certains cas, on faisait même un sacrifice d'un animal, on versait le sang. Ça voulait dire que si tu ne respectes pas ta part du serment, eh bien, le sort de l'animal est pour toi. Donc, c'était des choses avec lesquelles on ne blaguait pas. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, ne jurez pas, ne faites pas des serments, parce que si vous faites des serments, ça vous oblige. Alléluia. Donc, c'était vraiment sérieux, c'est comme faire des vœux. Il y a eu deux vœux malheureux dans la Bible, en tous les cas, deux que je connais très bien, c'est Jephté. Jephté avait dit au Seigneur, si tu me donnes la victoire sur les fils d'Ammon, sur les Ammonites, eh bien, quiconque sortira en premier de ma maison, celui-là, je te le consacrerai, je l'offrirai en holocauste. Et c'est sa fille vierge qui est sortie. Amen. Et ça veut dire quoi? Qu'elle n'a plus de destinée de femme, c'était fini, terminé, puisqu'elle a été consacrée à l'Éternel comme un holocauste. Certains disent qu'elle a vraiment été tuée, je ne pense pas, mais elle a perdu sa destinée de femme. Alléluia. Le deuxième, c'était Hérode, le tétrarque, un païen. Mais on savait aussi chez les païens qu'on devait exécuter les serments, autrement il y avait une malédiction qui venait. Donc sa belle-fille, la fille d'Hérodiade, sa femme, dansait devant la cour et ses grands et devant le roi. Et lui, tellement il était emballé, il lui a dit la chose, « Demande-moi ce que tu voudras, si ce n'est jusqu'à la moitié de mon royaume, je te le donnerai. » Et sa mère lui a soufflé à l'oreille, « Demande la tête de Jean-Baptiste. » Et le roi a dû s'exécuter de faire couper la tête de Jean-Baptiste. Parfois, nous faisons des vœux inconsidérés à Dieu. Nous faisons des vœux parce que nous sommes sur une... Alors, deux manières. Nous sommes sous une pression particulière. Nous faisons un vœu pour obtenir la chose. Et lorsque le risque est que lorsque l'on a obtenu la chose, on ne s'acquitte pas de notre vœu. Sachez que quiconque fait ça a des embrouilles avec Dieu. Moi, j'en étais témoin puisque j'ai aussi fait ce genre de choses. Amen. Je ne connaissais pas la profondeur de la parole. Mais après, ça nous coûte cher. La deuxième des choses, on fait un vœu parce que, de manière inconsidérée, comme Jephté, on est emballé dans une situation et on prononce une parole. Et voilà, sauf que la parole est enregistrée dans le livre de Dieu. Et si on ne tient pas la parole qu'on a donnée, eh bien, nous avons de nouveau des embrouilles. Ça veut dire que ça peut nous causer des problèmes. Donc, le cœur est trompeur. Faisons attention à notre cœur, aux paroles que nous prononçons. Et ne nous engageons pas par serment, ça sera une gage de sécurité pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, examine-toi et repens-toi pour tous les vœux que tu as fait à Dieu, que tu ne t'es pas acquitté. Parce que il faut le faire, on doit se repentir devant Dieu, et Dieu nous pardonne et lève l'offense. Maintenant, voilà, ça appartient à chacun. Moi, j'ai dû le faire et à ma honte, je vous le dis, je le confesse, il y a des choses que j'ai demandées à Dieu en promettant des choses que je n'ai pas tenues. Voilà, et sachez que il y a toujours un prix attaché là derrière parce qu'on n'est pas sérieux avec Dieu. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et faites ce que vous avez à faire. Si vous avez fait un vœu, acquittez-vous. Si vous avez fait un vœu que vous n'êtes pas acquitté, repentez-vous et demandez pardon. Soyez tous bénis, mais le mieux encore, c'est de ne point faire de vœux ni de serments. Que ces paroles résonnent dans nos esprits et dans nos cœurs. Soyons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.